Si on veut des adultes autonomes et qui font du sens dans leur vie, eh ben c'est en leur proposant des outils qui vont leur permettre de se révéler. En tant qu'enseignante, j'ai décidé d'être plutôt dans une relation horizontale, de favoriser les intelligences et de montrer aux enfants qu'en fait, ils sont aussi ressources que moi finalement dans la classe. L'apprentissage ne doit pas être vertical, dans la verticalité. C'est-à-dire, moi j'ai vu que j'étais juste là pour les accompagner, pour mettre en place le contexte, pour les aider quand ils avaient besoin d'aide. Et je me suis rendu compte qu'en fait, ils étaient capables d'apprendre seuls et de s'auto-apprendre et de s'entraider pour apprendre. Moi, je suis effectivement là en tant que veilleur, je dirais. Et plus les années passent, et plus je me dis que l'enseignant doit être plutôt un éveilleur que quelqu'un qui se place devant un tableau, qui prend la parole tout le temps. De toute façon, moi j'ai vérifié maintenant, si je me mets devant le tableau et que je prends la parole, il y en a peut-être quatre qui écoutent ce que je dis. Ils se sentent pas du tout concernés par... Alors que si on fait des groupes, s'ils ont des responsabilités, ils se sentent impliqués, eh ben, tout de suite ça marche. On fait prendre conscience aux enfants qu'ils sont tous intelligents, qu'ils ont leurs forces, leurs faiblesses, leurs difficultés, mais qu'ils sont. C'est-à-dire qu'on travaille aussi sur leur identité. Et ça, moi, je le fais travailler quand on fait les conseils d'enfants, les cercles de parole. Ça se passe au niveau de la parole, quoi, dans la prise de conscience de qui ils sont. Et effectivement, au fil du temps, montrer qu'on est tous différents et on est tous des ressources les uns pour les autres. Et Moi, que c'est parce qu'on a cette intelligence-là, ces différentes intelligences, que dans le monde, il peut y avoir des métiers différents. Je vais leur parler des intelligences multiples et on va essayer de voir, eux, où est-ce qu'ils se placeraient. Et en fonction de ça, effectivement, faire des enfants, enfin, moi je ne les appelle pas des enfants experts, mais des enfants ressources. Et si on a un problème, par exemple, de maths à résoudre et qu'il y a un expert en intelligence logique ou mathématique, on va plutôt vers lui. Si on a des questions plutôt sur les animaux, sur la nature, etc., on va plutôt vers un autre. J'ai décidé de faire tout un suivi au niveau des jeux de pratique émotionnelle. Donc déjà pour qu'ils arrivent à être bien dans leur basket, bien dans la relation à l'autre, en lien aussi avec leur ressenti, parce qu'on leur demande de peu finalement d'être en lien avec leur ressenti, ce que ça leur fait, un peu descendre du mental, un peu dans le corps, et enfin c'est tout un processus en fait, c'est lier la parole, le corps, l'esprit, enfin, l'idée de l'enseignant, c'est qu'il doit prendre l'enfant dans sa globalité et pas juste à ce niveau-là, quoi. Et je crois qu'en faisant fonctionner tout ça, ça vient naturellement. Et en le valorisant aussi, chaque fois qu'il fait quelque chose, ou en valorisant plus que l'apprentissage, mais des actes, des paroles qu'il dit, ou s'il arrive à gérer un conflit, ou si, voilà, le valoriser. Autant en récréation qu'en classe, que dans les temps informels. Plus on est dans une relation horizontale et plus on leur fait confiance, et plus on entend qui ils sont et plus on les reconnaît, et plus ils sont respectueux et moins on a besoin d'autorité. Tout de suite, enfin, ça se voit sur leur visage. Ils sont, c'est, enfin, je me sens, enfin, je suis reconnue. Enfin, c'est quelque chose comme ça. Moi, ce que je vois, c'est qu'il y a beaucoup d'enfants qui arrivent au bac, d'ados qui arrivent au bac et qui se disent, bon, ben, maintenant, je suis arrivée au bout, mais en fait, qu'est-ce que je dois faire? Enfin, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que je sais pas où je dois aller. Et je vois pas mal d'ados qui sont dans ce trait-là, c'est-à-dire que eux, ils n'ont jamais eu de difficultés scolaires.
ils ont bien évolué, etc. Ils ont eu leur bac, super, on fait la fête, on a eu le bac. Et là, après, j'ai l'impression que c'est le néant, quoi. Ah, mais il faut que je choisisse une orientation. Alors que si on avait nourri ça depuis le départ, je suis persuadée que, ben, quand bien même ils n'auraient pas eu de difficultés scolaires, ils auraient su au moins qui ils étaient et vers quoi ils auraient eu envie d'aller assez rap plus rapidement. C'est difficile déjà parce qu'on est dans un système qui ne dit pas ça. Donc, un système qui est assez verrouillé par rapport à ça. Dans le sens où les parents ont des habitudes de fonctionnement, les enfants ont des habitudes de fonctionnement, les personnels non enseignants ont des habitudes de fonctionnement. Et du coup, moi, quand je mets des choses en place dans ma classe, quelquefois j'ai l'impression qu'après c'est un peu bafoué quand on sort de la classe, quand ils sont à la cantine, quand ils sont dans la cour de récré, quand. Donc il y a tous ces temps aussi un peu informels, je dirais, où il faudrait continuer ce qu'on fait dans la classe. Et ça ne se fait pas forcément parce qu'il faudrait que ce soit une politique vraiment d'école. Mais pour que ce soit une politique d'école, il faudrait que ce soit une politique de circonscription, et etc., etc. J'ai été directrice hein, d'école pendant 10 ans. J'ai essayé d'impulser des choses comme ça au niveau des enseignants, au niveau de. J'avais des idées, même si elles sont pas aussi, elles n'étaient pas aussi arrêtées, enfin pas arrêtées, mais j'aime pas ce mot, mais aussi claires que maintenant. Et en fait, ça a été très difficile. Je me suis épuisée à vouloir faire passer des choses qui passaient pas. Et j'ai quitté la direction pour ça, parce que je me suis dit, ben c'est pas la bonne place en fait. Quand on commence à donner la parole aux enfants, ou quand on commence à les laisser acteurs de l'apprentissage, ou quand on rentre dans une relation plutôt horizontale, et il faut quand même avoir un peu travaillé sur soi et être bien dans ce qu'on veut, dans qui on est, dans le lâcher prise de certaines choses. Et je crois qu'il y a encore du chemin à faire. Par rapport à ça, c'est pas facile en fait de lâcher cette autorité de l'enseignant. Parce qu'en fait, je crois qu'il y en a beaucoup qui ont peur de perdre le contrôle. Ils ont peur que les enfants prennent le dessus, ou ils ont peur de perdre leur autorité, ou peur de perdre le respect. Et moi, je pense le contraire. J'ai une grande table au fond de la classe où j'ai installé du matériel pour les 8 intelligences. C'est-à-dire que ce sont des petits ateliers dans lesquels ils peuvent aller quand ils ont terminé un travail ou quelque chose comme ça. Et comme ça, il y a les nourritures pour les 8 intelligences. Tous les matins, on fait la brain gym. Ce sont des exercices en fait qui ont des effets au niveau du cerveau pour se préparer à apprendre, pour se concentrer, etc. C'est des mouvements croisés en fait, et je leur explique que en fait ces mouvements-là, c'est pour se préparer à apprendre. Et j'essaie dans mes pratiques de chaque fois de relier pour faire du sens entre les exercices que je leur fais faire pour se préparer à faire quelque chose, mais à quoi ça sert? Ce qu'il faut remettre aussi à l'école, c'est du sens, c'est-à-dire pourquoi on fait ça, à quoi ça sert. Chaque fois, dans mes outils, je fais un lien entre le programme, ce qui est demandé dans le programme, et je fais un lien avec qu'est-ce que ça travaille au niveau de l'identité, de l'estime de soi, de la connaissance de soi, de la valorisation. Ensuite, on fait des cercles de parole, donc des cercles de parole sur des thèmes que je choisis, donc c'est ce qu'on appelle des. Travaille sur le langage à l'école, mais moi je le fais sous forme de cercle de parole avec des règles bien précises, un bâton de parole pour que chacun puisse s'exprimer et que chacun ait la parole à son tour, qu'on soit écouté dans le respect, enfin qu'on écoute vraiment. Donc on travaille sur qu'est-ce que c'est que écouter l'autre quand il parle, qu'est-ce que c'est que prendre la parole et s'exprimer en disant je. Donc ça, c'est toutes les questions d'identité, d'estime de soi, de confiance en soi. Et je le fais à travers des thèmes scolaires. Donc
Enfin, dans les programmes, il y a des, il y a pratique du, enfin, la langue orale. Ben, les cercles de parole, pour moi, c'est de la langue orale, mais.